en 2010, tremblement de terre a fait, nous recommençons une série de mesures pour voir qui impact tremblement de terre de janvier a été gagné sur la déformation. Et pratiquement en 2015, 5 ans après, nous sortions un rapport et nous recommençons une nouvelle série de mesures. Et ces rapports sérieux que nous utilisons pour nous battre information sérieux. Donc ça, c'est mesure de géodésie. Mesures sérieux permettent de nous connaître la direction que plaque Caraïbes a déplacé, quelle vitesse de déformation qu'il a fallu. Parce que si nous connaissons vitesse de déformation qu'il a fallu, nous connaissons quelle quantité d'énergie a accumulé là-dedans. Et si nous connaissons quantité d'énergie, nous sommes capables de prévoir quelle prochaine magnitude. Là. Si c'est 5, 6, 8. Donc la science est capable de faire ça. Et nous faisons ça dans le bureau des mines après 12 janvier. Eh bien, gros rapport qui sorti après le tremblement de terre de janvier, hein, sous série de mesures que nous faisons, mais quand là, qui traduit exactement le résultat donné. Eh bien, donné, ça veut dire que tout côté qui est en rouge, c'est côté que déformation importante. Qui côté qui est en rouge, nous, ouais, c'est au niveau du nord, et zone ça correspond justement avec faille septentrionale. Donc, faille ça, elle a bougé. Donc, son zone assurée. L'homme dit zone nord là, on parlait de département du nord-ouest, du nord et du nord-est. Nous sommes tous en rouge. Et le continuer en République dominicaine. Deuxième encore côté qui rouge, c'est au niveau de la presqu'île du sud. Nous sommes toute zone Port-au-Prince en rouge, jusqu'à Miragouane. On partit dans le sud-est là tout. Donc ces zones ça a côté que déformation beaucoup plus importante. Donc c'est ça pour qui permet nous quand même vigilants. Tout ce que nous avons enregistré pour dire attention, est-ce que zone ça lui-même les mieux pour le bas du gros tremblement de terre. Donc, quand ça est très important. Alors, là, on a parlé de failles presque du sud là. Ça, c'est tracé faille. Exact. Il est très important pour nous connaître qui côté que faille ça va passer. Parce que le gros tremblement de terre, il y a possibilité pour que vous ayez une ouverture en surface. Alors, imaginez que l'État qui a dépensé comme qui a fait route, qui a fait pont, qui a fait barrage, qui a fait l'hôpital, qui a fait l'hôtel, qui a pu recevoir le monde, qui a fait l'école, vous ne connaissez pas où mettez le bâtiment ça, ou bien où voyez ça, ou dit ce côté que faille la passer. On a un gros tremblement de terre de magnitude 7 à 8 qui a provoqué ouverture faille. Donc, quand ça a perdu, son investissement qui est perdu. Donc, c'est très important avant que vous fassiez une route, avant que vous fassiez un pont, avant que vous fassiez un barrage, avant que vous mettiez l'école ou l'hôpital. C'est des bâtiments qui ont pu recevoir le monde. Il est très important pour informer est-ce que ce n'est pas sur une faille que m'a mis le bâtiment ça. Donc, il est très important pour nous qu'on trace l'exacte faille là. Et nous voyons que faille de la presqu'île du Sud-là, il traverse presque 5 départements géographiques. La Grandance, le Sud, les NIP, l'Ouest et le Sud-Est. Et dans 5 départements, ça a eu, nous avons près de 57% de la population d'Haïti. Donc, son bagage stratégique que lui. 57% de la population concernée par la faille, ça, une faille qui est active, qui est capable de battre autant de volontaires, 5 départements. Donc, il est très important, en tant que responsable, pour accorder une importance à donner ça. Et faille, là, lui-même, nous, qui côté le passé, il y a 3 départements qui sont concernés par la faille, ça. C'est nord-ouest, nord et nord-est. Et 3 départements, ça, il y a 20% de la population. Donc, si nous prenons la faille sud, là, il y a 5 départements qui sont concernés. Et finalement, il y a 3 départements. Ça fait 8 départements sur 10 qui sont concernés par un phénomène sismique. Et en termes de population, l'on prend 60% à peu près pour le sud là et 20% pour le nord. Ça fait 80% de la population haïtienne qui est concernée par ça. Et Damoclès qui pend sur le nord. Et Pérou Damoclès sur le sud là, il est toujours là. Donc, la situation. Deuxième activité de mesure que nous faisons, c'est surveillance sismique. Avant 2 janvier 2010, Haïti n'a pas aucun appareil pour qu'il ait fait surveillance sismique. Tout ça m'a montré nous là, c'est après 12 janvier, 8 ans après, tout est dit que pas grand-chose fait. Eh bien, sur le plan scientifique, il y a un pile travail qui est fait, parce que il y a des appareils de mesure, il y aurait des stations sismiques, des sismomètres, mais là. Donc, ils ont installé, on peut installer 2 lots qui sont déjà disponibles, qui permettent de couvrir tout le territoire. Parce que plus on a un appareil qui répartit sur un certain territoire, c'est plus on a une précision sur les données de la secousse qui est faite.
effectivement appareil ça à qui ça qui au servi nous que le appareil installé sur territoire il voyait information il fonctionnait en temps réel 24 heures sur 24 il voyait information vers un satellite satellite là voyait information dans le bureau des mines côté que nous avons centre de données nous est graphio et c'est à partir de ça que nous sorti bulletin d'information que nous voyons dans la presse pour informer mon et surtout autorité protection civile. Donc c'est travail ça que nous fait. Premièrement, nous voyons que ce caution épicentre pas localisé seulement au long de Fayo, mais disséminé sur l'ensemble du territoire national. Ce qui veut dire que tout territoire traversé par des failles secondaires que nous pas connaît et failles ça yo a bâti secousse. Pas d'un règle dit que failles sont capables de bâtir gros secousse, mais nous connaît que failles presque du sud avec failles nord là, sont capables de bâtir gros secousse. Donc mais un premier résultat qui permet nous faire des prévisions. Deuxième résultat, et ça concerne le bulletin qui l'amène loin, de janvier à mars, pendant 3 mois, quatre qui en l'air montrez-nous principaux épicentres secousses que nous enregistrés pendant 3 mois. Ça. Et nous voyons que secousses, il n'y a pas uniquement sous faille presque du sud, là, ou bien faille nord là, il y a un petit peu tout de côté. Ce qui est conforme avec le résultat que nous avons gagné en 2015. Donc nous avons enregistré à peu près une vingtaine de secousses pendant 3 mois, ce qui est conforme avec le résultat 2015, là, parce que 80 secousses pendant l'année, ça fait à peu près une vingtaine de secousses par trimestre, donc 4 trimestres. Donc chaque année en Haïti, nous avons enregistré près de entre 80 et 100 secousses inférieures à 4 sur l'ensemble du territoire. L'après toute île, nous calculons, ça fait 6 de magnitude inférieure à 4. Ça permet que nous fassions une carte qui montre qui zone qui est à risque. Et quand ça a montré que définitivement, zone nord là, qui est en rouge, c'est lui-même qui a tout risque. Donc il faut que nous préparions, non? Et au niveau de la partie sud du plateau central, ce n'est pas tout le plateau central là qui est safe. Partie sud, et nous commençons à enregistrer des secousses qui indiquent nous que zone ça effectivement, il y a des secousses là-dedans. Toute zone Port-au-Prince là, côté capitale là située, hein? Et tout reste presque du sud qui a sorti dans le point de Tiburon, toute zone ça est à risque. Et il y a 3 zones particulièrement que nous avons surveillées en Haïti. Et c'est là que nous voyons qu'il y a plus de secousses qui fait. C'est la zone NIP. Dernière secousse-là sont faites en 1952. La zone Ansavo. Et sur 20 secousses que nous avons enregistrées pour le trimestre-là, 61 c'est un lamin qui est. Et si c'est un lamin, ça veut dire qu'il est capable de provoquer des tsunamis. Et il y a un pile tout que nous avons enregistré dans la zone Ansavo. Deuxième zone que nous avons surveillée de très près, ces zones lac Azuri, toute zone partie sud-est là. Donc, pratiquement ces 3 zones ça, qui pour nous à haut risque. Ça va dire que en dehors de 3 zones ça, il y a une zone que nous ne connaissons pas, et puis nous que tout le monde a fait une zone que nous ne connaissons pas. Parce que la nature est vraiment imprévisible. Là encore, il y a pile effort qui fait. Il y a sensibilisation qui fait, ça c'est juste Wanamet. Nous avons pris une conférence, il y a pile séance qui fait, un pile conférence que nous fait. Ça c'est Wanamet, ça c'est au Cap Haïtien. L'auditorium collège Assomptin, Régina Assomptin. Nous avons tout ce monde là, nous réunions régulièrement, il y a des conférences qui font. Là encore, il faut que ce ne soit pas des conférences ponctuelles. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale mette sur pied un programme obligatoire. Qu'il y en a pour que nous rendons bagage obligatoire au bon vœu d'un directeur d'école. Nous avons un collège Caspré soit capable de faire l'effort. Il faut que tout institution ça yo entrer dans le système non plus rendre obligatoire bagage ça.